langues francophones m'ont demandé si je pouvais faire une vidéo avec une explication succincte sur l'examen d'ADN réalisé par le laboratoire génétique de Sri Lanka. Donc, c'est le propos du programme d'aujourd'hui. Cette analyse est appelée empreinte génétique et c'est une analyse exploratoire. Il se base sur des analyses qui sont déjà assez bien rodées et surtout basées sur 13 loci, donc des régions des chromosomes humains qui sont bien déterminées, comme nous les observons dans cette graphique, et la base théorique de cette analyse est la suivante. Nous allons observer ici des petites répétitions dans des régions chromosomiques. Et par exemple, ces répétitions peuvent être adénine, adénine, thymine, guanine, qui se répètent par exemple 7 fois. Et à cette répétition, on les appelle STRS. Cette répétition, en général, sont bien déterminées sur les chromosomes que j'ai montrés avant et à la fin, après l'extraction, l'amplification par la technique de PCR, l'électrophorèse, on obtient à la fin des électroférogrammes. Et dans ces électroférogrammes, sont ces pics qu'on observe là, on va déterminer les allèles, comme nous le verrons dans les examens. Genetech, en octobre, a donné son rapport préliminaire de l'analyse des ADN anciens. Il a fait plusieurs échantillons des pieds de Maria, des tissus de Maria, des Wawita. Ici, nous observons des électroférogrammes. Je suis désolée de la petite taille, mais je ne peux pas agrandir plus. À grosso modo, ici, les électroférogrammes nous déterminent les différents loci à analyser. Ces loci sont les mêmes qu'on voit dans cette colonne. Ils sont 13 et chacun possède une spécificité et une quantité d'allèles. Par exemple, les allèles contrôle qui sont d'abord extraits, en général sont plusieurs. Par exemple, pour les loci D3S1-358, nous avons comme allèles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Maintenant, dans l'analyse des génétiques, pour cette loci, c'est obtenu 15, 16. Maintenant, où nous trouvons cette loci, observons-la ici, D3S1-358. Et ici, nous avons
les allèles 15 et 16, pour que vous vous situez. Maintenant, comment s'effectue la comparaison? En fait, il suffit qu'un seul allèle soit coïncidente avec les allèles contrôle pour qu'il y ait comme conclusion coïncident ou pas coïncident. Observons, ici nous avons 15 et 16. Ici on trouve 15 et 16, donc c'est coïncident. L'allèle aussi, VW1, n'a pas d'amplification et donc non coïncident. Le suivant n'a pas d'amplification, non coïncident. Ici, TPOX, on l'observe ici, TPOX, il y a un allèle 11, et ici, on le voit l'allèle coïncident. Maintenant, en résumé, nous avons les suivants, l'OSI D19S433, il y a un allèle 14 et on le trouve ici, donc coïncident. Ensuite, D5S818 n'a pas d'amplification, non coïncident. Ensuite, D16S539, il y a un allèle 9, on le trouve coïncident. Ensuite, c'est SF1PE, non amplification, non coïncident. Le suivant, D13S317, non amplification, non coïncident. FGA17, coïncident. Le suivant, D18S51, 8, coïncident, et le dernier des 8S11, 79, 14, et on trouve 14, coïncident. Donc, de cette façon, on a vu que en extrayant les différents allèles des électroférogrammes, on a construit ce tableau qui nous permet de conclure qu'il y a 1, 2, 3, 4 et 5 loci qui ne sont pas coïncidents. Pour terminer, au niveau des conclusions, dans le rapport final, le laboratoire génétique basé sur le résultat de son analyse d'ADN déclare que le résultat du test indique que le pied de Maria appartient à un primate femelle. Cette déclaration n'a aucune base dans l'analyse de l'empreinte chromosomique pour les raisons suivantes. Ce type d'analyse est rien de plus qu'une analyse d'ADN préliminaire, similaire à celle réalisée par l'Institut des sciences et médecine génomique du Mexique à Los de Maria déjà une année en arrière. Ce type de thèse ADN médico-légal ne permet pas l'identification phylogénétique d'une espèce. Donc, cette déclaration du laboratoire génétique est prématurée et sans fondement sur le résultat obtenu. Dans l'analyse des locus STR avec protocole CODIS, ce résultat vérifie la présence d'allèles dans 8 locus des 13 locus pour l'échantillon de Maria, comme nous l'avons vérifié avec les tableaux. Il n'y a aucune base dans les résultats après lecture de l'électroférogramme et de son interprétation pour affirmer que Maria, Wawita et Victoria appartiennent au groupe des primates humains, car les locus codis sont test de comparaison valable seulement avec l'ADN de Homo sapiens. Ensuite, cette analyse préliminaire ne permet pas de conclure
à l'appartenance de Maria ou des autres spécimens analysés à des espèces de primates, elle permet seulement de vérifier la correspondance ou la non-correspondance des échantillons analysés avec les tests ADN humains. Cette analyse montre seulement qu'il n'y a pas de correspondance entre l'ADN humain et l'ADN extrait du pied de Maria et du tissu de Maria. En bref, Maria n'est pas humaine. Au moins, nous pouvons vérifier qu'il existe deux différences fondamentales entre les tests de ADN humain et Maria, et ces deux différences sont présentées dans les deux analyses de les deux laboratoires différents. Il sera important de connaître les raisons de la non-amplification de ces deux locus, ou loci, puisque le fait que dans les deux cas, deux locus n'amplifient pas ADN et PCR montre qu'il n'est pas dû à la dégradation de l'ADN, mais peut-être que dans ces deux loci puissent se trouver les différences significatives avec l'ADN humain. Le fait que dans les deux cas, deux loci identiques ne s'amplifient pas compare positivement les deux analyses de génétique et l'Institut de génomique de Mexique. Reste l'interprétation de pourquoi trois loci des cinq qui ne sont pas amplifiés ne sont pas amplifiés dans l'analyse des génétiques, comme je l'ai dit avant. Maintenant, l'explication du laboratoire est que peut-être deux à une exposition d'humidité élevée et une température élevée avec lesquelles une partie de l'ADN a pu être détruite est plausible, puisque les organismes ont quitté leur milieu naturel et ne sont pas dans des conditions de conservation. Ce qui met en évidence leur dégradation rapide et la difficulté à l'avenir d'obtenir des résultats fiables. La réalité, pour conclure de manière scientifique, c'est que cette analyse d'ADN par empreinte chromosomique nous donne un ADN incomplet. Et en même temps, il ne correspond pas avec l'ADN humain. Corollaire, pour valider ce test DNA ou ADN PCR, des 13 marqueurs comparatifs au loci 13 allèles doivent correspondre au test ADN. Dans l'analyse de génétique, nous voyons que 8 sur 13 coïncident avec le test ADN. Donc, par recommandation internationale, si nous trouvons trois systèmes qui ne coïncident pas, la relation entre les deux organismes doit être